Les fumées noires, c'est les maisons. Mais c'est propagé le feu. Now they're a different colour, aren't they? So they're clearly the... They're flying into drop water. Yeah, the water police. I'm sorry, we're far away and look how thick that smoke is above. Yeah. Do you want a news report? Allez, monte.
vous évacuent. Non, on entend, il me semble qu'on entend les haut-parleurs. Tu sais, maman, ça fait penser dans Mulan, c'est les Huns qui ont envahi la cité. Ah, vous êtes en bord? Há sítios em que o fogo podia ter sido mais facilmente controlado se houvesse uma maior organização dos meios aéreos, etc. E não está a haver, vê-se perfeitamente, quem está a fazer, quem está de comando é, a maior parte das vezes, bombeiros que são fora da zona, daqui desta região. Não conhecem caminhos, não conhecem os acessos, não conhecem nada. Estão limitados a seguir ordens e perde-se o tempo todo a andar de um lado para o outro. Literalmente é isso. Há 30 anos que andemos nisto. No céu, há 30 anos. Eu até vivia lá em cima numa casa e o Fifi fez ali aquela casa. Há 30 anos que andamos nesta pouca vergonha, que isto não é. Nunca houve uma mão que pusesse mal a isto. Nunca houve uma mão de caridade que pudesse mal a esta coisa. Ha ha ha!
on tapait à coups de branches et tout pour éviter que ça passe par-dessus. Et au final, ça a repris ici. Donc du coup, il nous a ramené des outils. On a tapé à coups de pelle, à coups de râteau et de raclette. On a tout fait pour que le feu soit éteint. On l'a contenu jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Là, ils sont arrivés au bout d'une heure et demie, deux heures. Mais bon, après, les pompiers sont de partout. Ils ne pouvaient pas être là plus vite. Ça, il y a du feu de partout. Donc, there ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, what do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Les caravanes, les voitures, tout reste sur place. On nous demande de partir à pied, direction le port de Bormes. Ça gâche un peu les vacances. En plus, au jour d'aujourd'hui, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas si on va, quand est-ce qu'on va pouvoir réintégrer le camping. Donc on est un petit peu dans un grand point d'interrogation. On ne sait pas ce qu'on va faire, si on pourra le réintégrer, parce que peut-être qu'on ne pourra pas aller rechercher nos affaires du tout. Oui, c'est...
vous fermez la roue. Ok. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Merci. Monsieur le ministre, l'écologie n'est pas, vous le savez, un secteur à part. C'est toute l'organisation sociale et économique qui est concernée par la nécessité de la transition écologique. Aussi, je souhaite pointer la contradiction insoluble qui existe entre les bonnes intentions annoncées dans le plan climat et la logique même de la politique économique du gouvernement. Il n'est pas possible de viser l'accumulation économique infinie sur une planète finie. C'est de ce théorème que doit découler toute politique véritablement écologique. Merci. Or, c'est Mathilde tout l'inverse Panot. Que propose votre gouvernement. Politique de l'offre et dérégulation du marché du travail, encouragement international au libre-échange, privatisation des transports ferroviaires locaux ou encore multiplication des hypercentres commerciaux. C'est la politique de l'accumulation de la richesse pour elle seule qui est poursuivie. Celle d'un ancien monde qui n'a pas encore compris ce qui était à l'œuvre dans le changement climatique.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous éclairer sur votre position quant à cette contradiction entre transition écologique et accumulation sans fin ? Pour aller plus dans le détail, monsieur Mathilde le ministre, j'aurais plusieurs questions. Premièrement, concernant le nucléaire. Le scénario Négawatt, révisé et approfondi cette année, préconise et argumente sérieusement de mettre en œuvre des politiques publiques permettant de construire le 100% renouvelable d'ici 2050. Pourquoi votre gouvernement ne reprend-il pas à son compte ces recommandations expertes et de bon sens ? Par ailleurs, alors que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire alerte sur des risques d'incendie dans le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, que comptez-vous faire sur ce projet ? Deuxièmement, concernant les déchets, merci, à ce Mathilde rythme, Panneau. Il y aura 12 milliards de tonnes de plastique dans la nature en 2050. La construction de nouveaux projets d'incinérateurs s'inscrit dans des choix contraires aux grands engagements de la COP21, aussi bien qu'aux objectifs de la loi de transition énergétique. Sur ma circonscription, la reconstruction de l'usine d'incinération d'Ivry Paris 13 coûtera 2 milliards d'euros d'argent public pour un besoin qui n'a pas été démontré. L'ADEME a d'ailleurs pris position en avril 2017 pour dire que la France avait assez d'incinérateurs et que l'avenir était maintenant à la réduction, au réemploi et au recyclage des déchets. Merci Mathilde Panneau. Alors que les solutions alternatives existent, quel engagement prenez-vous sur ces projets d'incinérateurs et sur le traitement des déchets ? Troisièmement, comptez-vous arrêter les projets de centres commerciaux tels Europa City et Val Tolosa, projets consommateurs de terres agricoles et producteurs de CO2 par l'augmentation de déplacements motorisés et dans le cas de ce dernier, demander au préfet de respecter la décision de justice. Quatrièmement, la croissance du transport international augmente mécaniquement les émissions de gaz à effet de serre. Or, ces émissions sont exclues des accords du climat. Merci, le grand déménagement Mathilde du monde Panneau. N'a pas de sens. Il est temps d'établir un protectionnisme solidaire qui permette de recréer des emplois orientés vers la transition écologique dans le pays. Pour la première fois de l'histoire économique, le protectionnisme devient le seul choix coopératif pour que tout le monde concourt à protéger le bien que nous avons tous en commun, la planète. Allez-vous mettre en place ce protectionnisme solidaire pour éviter que des produits fabriqués dans des pays à faible protection environnementale et sociale ne soient importés en France, en contournant ainsi les obligations définies, et je pense notamment au CETA et au Merci, TAFTA. Merci Mathilde Panneau. Cinquièmement, pourquoi votre gouvernement a-t-il soutenu une définition restrictive des perturbateurs endocriniens au niveau européen ? Pourquoi ne pas s'engager sur leur interdiction immédiate ? Enfin, concernant les transports, Mme Borne a confirmé la priorité à la saturation des lignes existantes. Pouvez-vous confirmer l'utilisation des gares de triage pour le développement du fret ferroviaire sur le fret routier ? Respecterez-vous la directive de 1996 imposant une hauteur maximale de 4 mètres pour les camions pour pouvoir les transporter par le rail du fait des gabarits ferroviaires européens ? Merci Mathilde Panneau. Comptez-vous suspendre le partenariat public-privé qu'est le Lyon-Turin, qui selon le promoteur lui-même drainerait jusqu'à 300 millions de mètres cubes d'eau par an ? Est-ce pour vous écologique alors que la voie existante permet sans dépenser de transporter 80% des camions qui circulent chaque année au Mont-Blanc et au Fréjus et que le projet engloutit, selon toute l'administration, l'ensemble des ressources pour le ferroviaire ? Je vous remercie pour votre attention. Merci Mathilde Panneau. Avant de donner la parole à Hubert Vulfranc, qui va pouvoir se préparer d'autant plus, on fait une toute petite pause de 5 minutes. Oui, je vous demande votre indulgence. Je suis arrivé ici avec un peu de fièvre. J'ai besoin de 5 minutes de pause, si ça ne vous dérange pas. Ce n'est pas l'accumulation des questions qui me pose problème, mais pardon de cette spontanéité. Merci, je vous demande 5 minutes. Merci. Bien, là pour l'instant, donc le ministre a eu un petit malaise, no il est en train de se reposer dans le et on attend juste 5 minutes pour voir there si no ça passe, et s'il peut reprendre, parce qu'il reçoit vivement, il souhaite vivement continuer l'audition avec vous, donc je vous remercie de patience, et je reviens vers vous. I'm gonna rise right out of the ground. Non, mais il tient beaucoup à cette position, donc mettre sur pied, laissons-lui un petit peu 5 minutes pour voir si. What do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. C'est un bon rétablissement à notre There ministre. Ain't no grave can hold my body down. Prochaine séance, demain, 9h30, sauf erreur de ma part. À demain.